Salut tout le monde, c'est HorrorPlay et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les camps de survivants, on va construire une base aujourd'hui. Je suis trop content de faire ce troisième épisode, c'est super cool, alors n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, à lâcher votre plus gros like. N'oubliez pas que maintenant j'ai un onglet communauté, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour être au courant des prochaines vidéos. Et sans plus attendre, commençons la vidéo. Et voilà, salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes à Sanctuary. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit dans le deuxième épisode, on va créer les camps de survivants. Donc voilà, donc aujourd'hui on va créer les camps de survivants. Voilà, abonnez-vous, partagez, commentez, lâchez votre plus gros like. Voilà. De toute façon, tout ça a été dit dans l'intro. Voilà, maintenant Preston Garvey est arrivé à Sanctuary. Maintenant, nous allons nous occuper de construire la base. Vous participez au travail ? Ouais, ouais, attends ta gueule. C'est un peu violent, mais bon, c'est la vérité. Donc là, on va devoir s'occuper du camp de survivants. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que d'abord, on va continuer un peu de fouiller le quartier de Sanctuary. Et ensuite, on va commencer à faire la petite base et tout. Donc voilà, je suis trop content de faire ce troisième épisode. Hein, franchement, c'est super cool. Donc c'est parti, on va fouiller les environs. Et après, on va commencer à faire la base. Oh mon dieu, l'armure assistée. Regardez-moi ça, cette belle armure. Elle nous a permis de tuer l'écorcheur. L'écorcheur de la dernière fois. Oh toi, fais pas la maline. Oh, je te jure. Oh, je te jure, j'ai envie de te buter, quoi. Oh, je te jure. Ah, oh, elle me saoule. La maison là, on l'avait déjà partiellement fouillée, je crois. Non, c'était pas celle-là. Ok, y'a rien. Ah, y'a une valise. Ah, on l'avait déjà. Ah, si, je crois, on l'avait déjà fouillée. Je sais plus. Mais je crois qu'on l'avait déjà fouillée. Ok. Oh, tournevis. Un tournevis. Ça, c'est cool. Ouais. Alors, on va continuer de fouiller le quartier. Alors faut faire attention parce qu'il y avait des rats de cafards dans le quartier, donc du coup ça... Oh ouais, regardez, regardez ce qu'il y a là. Il y a un coffre fort. Attendez, je vais arrêter immédiatement ce que je fais pour vous parler. Quoi? Fichez-moi la paix. Oh mais toi, fais pas la maline. Regardez, il y a plein de trucs. Déjà ça c'est quoi? Ok. Wow. Ok, déjà. Ok, il y a un terminal. Oh, il y a un pistolet. Un pistolet 10 mm. Ok. On peut crocheter le coffre-fort. Oh, yeah. Oh, yes, de l'argent d'avant-guerre. Pistolet. Hop. Nickel. Voilà. On a trouvé des petites ressources, ma foi, très sympathiques. Oh, regardez, un Medix. Ça, c'est cool. Bon, il y a un gros extincteur, là. Robe rouge. Ah, je suis plein. Hey. On va transférer des choses à notre... Merde. On va transférer des choses à notre... Merde, pas l'alliance, peut-être. On va transférer des choses à Codsworth. Ouais, on va lui transférer des petits trucs parce que il faut qu'on lui transfère. Oh, on a des cartouches, ça c'est les cartouches de fusil à pompe. Oh ouais, par contre des cartouches de minigun, on en a plein. C'est un truc de fou. Ah, celui à fusion aussi, on en a plein. Bon. Ok, je propose de commencer à faire des camps de survivants. Donc, tout d'abord, ce que nous allons faire. Tout d'abord, donc aujourd'hui, vraiment, ça va être détente, hein. Parce que, voilà, aujourd'hui, on s'amuse, on construit des camps de survivants. Ah ouais, déjà, c'est ce que je vais faire. On construit des camps de survivants et ça va être fun. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger l'armure assistée. On va la mettre sur le porte-armure. Dans ce trou quand les pillards débarqueront. Hop, on va se mettre notre petite armure. Enfin, on va l'enlever juste après, mais c'est juste pour la bouger. Hop. Ah ouais, c'est vrai, on a plus beaucoup de... On a plus beaucoup de batterie. Hop.
Nickel. Hop, on enlève l'armure. Voilà. Voilà, et là vous voyez, on peut la réparer. Donc là on peut vérifier les bras. On peut vérifier donc le bras droit, le bras gauche. On peut vérifier le casque, la jambière droite, la jambière gauche. Et on peut vérifier le plastron. Voilà, donc on peut même... non, je peux pas modifier. On peut même modifier du coup, voilà. On peut mettre en module B, en module C, en module D, en module E, en module F. Voilà, on peut rajouter du matériel. Enfin, on peut mettre des peintures. On peut mettre des modules, voilà. Pour un peu améliorer l'armure et tout. Donc voilà, on peut faire des trucs plutôt pas mal. Voilà, pour l'instant l'armure, on va la laisser là. Elle est bien là. Voilà, magnifique armure. Bon alors du coup on va ouvrir le menu de construction. Non, ça c'est pas le menu de construction. Non, dégage. Dégage Mama Murphy, j'ai pas envie de te parler. Tu me casses les couilles Mama Murphy. Voilà, donc on va ouvrir le menu de construction. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a 5 colons, 1 vivre, 0 d'eau, 0 d'énergie, 0 de défense, 0 de lit et le bonheur, il est à la descente. Donc tout ça, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Je vous avais expliqué que par exemple, les objets entourés en vert, eh ben, on pouvait les déplacer, voilà. Et par exemple, les objets entourés en jaune, on pouvait les recycler. Donc là, comme c'est un pneu, on obtient du caoutchouc. Donc voilà, donc tout ça, on peut recycler. Donc ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va recycler des petites boîtes aux lettres. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence par se faire une petite baraque. Et pour se faire une petite baraque, on va se la faire ici. Donc on va recycler toute cette maison effondrée. Donc là vous voyez, on obtient 15 d'acier, 20 de bois, 15 de béton et 5 de caoutchouc. Donc on va recycler. Boum! Et là, vous voyez, on a recyclé et maintenant tout est plat. On a une petite zone pour construire. Et ce que je vous propose, c'est que pour faire notre petite maison, on va utiliser les maisons préfabriquées là. Donc on va pas utiliser ça, hein, mais on va utiliser, j'avais regardé un petit peu, on va utiliser une grosse maison comme ça là. On va se construire une grosse maison. Donc on va la construire. Hop, on va la placer là comme ça. Et attention, on va voir une maison. Boum! Voilà, une maison. Ça y est, on a construit une maison. Voilà, attends. Regardez-moi ça. On a une maison maintenant. Voilà, une magnifique maison. Ouais, voilà. Ça y est, on a une maison. Donc ça, ce sera notre maison. Donc ce que je vous propose, c'est qu'au fil des épisodes où... Parce que je pense que ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais faire des épisodes où en fait je fais les missions du jeu. Où en fait, voilà, je fais les missions, tout ça. Je combats les méchants et tout. Et des épisodes où je construis ma base et tout. Et du coup, au fur et à mesure des épisodes de la base, on améliorera notre base et tout. Donc là, c'est le début de notre maison. Mais ce qu'on va plutôt s'attarder, donc là on a construit notre maison, mais on n'y touche plus pour l'instant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recycler, par exemple, des petits machins comme ça, voilà. Enfin, des poteaux électriques. On va recycler des petites boîtes aux lettres, voilà, pour obtenir des petites ressources. On va recycler aussi des arbres, voilà. Ah oui, là, vous voyez ce mur, cette espèce de mur vert. Et en fait, c'est... Parce qu'en fait, si on passe de l'autre côté, en fait, on peut plus construire, en fait. En fait, là, c'est la fin de la zone où on peut construire. Si je passe là, là je peux pas construire. Là par contre je peux construire. Donc là le mur là de vert, c'est la fin de construction en fait. Alors quand on passe ce mur, on peut plus construire. Donc on va recycler des petits arbres, voilà, pour obtenir du bois. Hop, voilà. Donc ce qu'on va s'amuser à faire, c'est que avant on va recycler des... Ah ouais, il y a des mouches bouffies. J'entends une mouche. J'entendais une mouche. Oh. Ok. Oh tiens, il y a un coffre-fort. Ah bah, on va le délivrer. Hop. Ah, merde.
J'ai cassé une épingle. Ça c'est con, on en a pas beaucoup. Voilà, bim. C'est bon. Oh, argent d'avant-guerre. Ok. Trop bien. Ok, on a v'là les trucs, ça c'est cool. On a trouvé des petits machins. Ok, c'est cool. Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est que... je voulais recycler des... Genre des meubles avec du tissu et tout. Pour fabriquer des lits. Genre, on va recycler dans les autres maisons. Parce que j'aimerais conserver les meubles de ma de mon ancienne maison. Bah genre la valise là. Ah voilà, ça donne du tissu. Ça c'est cool. Je crois qu'il y en avait une autre des valises. Je sais plus où. On va essayer de trouver une autre valise. Ouais, on va essayer de trouver une autre valise. Ah! Alors on l'avait fouillé ça? Ouais, on l'avait fouillé. Ça on va le recycler, ça va faire du métal. Ouais, ça qui est... Ah oui, tiens, là il y a une valise. On va juste vérifier qu'on a... Ouais, c'est bon, on l'a fouillé. Voilà une valise. Parce qu'on peut vendre, on peut tout recycler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des lits. Mais avant de construire des lits, on va construire une maison. Et pour construire une maison, je pense qu'on va recycler la maison là, là. On va recycler ça. Voilà, comme ça, ça fait une zone plate. Hop. Voilà, hop, on va recycler la porte. La porte qui a disparu. Hop, on va recycler l'arbre. Hop. Hop. On recycle un peu tout, hein. Voilà. Hop, et on va commencer à construire une base. Mais cette fois-ci, on va pas prendre les constructions préfabriquées. On va prendre ces constructions-là. Et du coup, on va s'amuser à... bien ajuster. Bam. Attends, on va mieux l'ajuster en vrai. Parce que là, elle est pas bien ajustée. Et vous allez voir dans le truc de construction, enfin dans le mode de construction, on va pouvoir faire des choses vraiment pas mal quoi. Ah merde, j'ai bougé. On va pouvoir faire des choses vraiment pas mal. Et donc je suis trop content de faire cet épisode un peu construction de base quoi. C'est plutôt fun. Bon, en vrai, c'est nickel là. Ouais, on va dire c'est nickel. Hop, du coup, vous voyez, on pose le sol, on pose les fondations. Hop. On pose les fondations. Ouais, là, c'est peut-être un peu trop. Hop. Hop. Bon, vous allez voir, au début, on a beaucoup de ressources pour... pour créer les baraques et tout. Mais après on en aura un peu moins. Et du coup il va falloir se démerder pour trouver des ressources. Moi c'est ce que je fais dans ma partie personnelle. Voilà, donc là vous voyez on a déjà plus de bois. On va continuer de recycler des trucs. Hop. On peut même recycler les barrières et tout là que vous voyez là. Genre ça. Genre ça, ça donne du bois. Mais après le mieux pour avoir du bois c'est de... De faire, voilà, il y a plein de constructions et tout. Le mieux c'est de faire de recycler des arbres en fait. Donc là, on va faire les murs. Bam, on fait les murs. On va construire une petite maison pour nos. Ah merde, j'ai déjà plus de bois. Mais ça part vite, dis donc. Ça part vite le bois. Hop, on remet à neuf notre quartier. Oh, ça m'en douce de bois, mais t'es sérieux. On va remettre à neuf notre petit quartier. Alors franchement, j'adore cette petite vidéo où on va tranquillement construire notre base et tout. C'est super fun. J'adore ça. Oh, dans cette maison, j'ai réussi à centrer la porte. Oh, mais c'est magnifique, j'ai réussi à centrer la porte. Dans ma partie personnelle, j'ai construit aussi une maison ici et j'ai pas réussi à centrer la porte. Bon, en même temps aussi je venais de commencer à jouer donc j'étais pas trop fort mais... Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer et on va installer une porte. Voilà. Bim, on va installer l'entrée d'une porte.
On va reprendre nos petits murs. Alors après aussi on peut construire des maisons en métal et tout. Mais bon après ça, maison en métal, ça coûte des ressources quoi. Hop, il y a toujours des arbres. Voilà, on va recycler des arbres. Oh ça, ça donne 20 bois, ça c'est cool. Hop. On va construire une petite maison. C'est fun. Ensuite on va mettre le toit. Et ce que je vous propose, c'est de faire un deuxième étage. Je vous propose, on fait un deuxième étage tout de suite. Honnêtement, j'ai envie de faire un deuxième étage tout de suite. Honnêtement, j'ai envie de faire un deuxième étage tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-dedans. Et alors, soit on prend ça. Faire un... En vrai, ça s'appelle. Ah, ouais, ok, j'ai compris. Attends, ça, il faut le recycler. Et voilà, et comme ça, on prend ça comme ça. Voilà. Et là, ouais. Peut-être dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Et là, bam. Voilà. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend ces trucs-là. Et on le remet là. Voilà. Et je vous propose, on fait un deuxième étage. On... Tout de suite. Voilà, comme ça, on se fait une belle petite baraque. Ah, il faut encore du bois. Faut du bois. On va recycler un peu d'acier parce que l'acier, bon voilà, on va pas en avoir indéfiniment. Donc, hop. Donc franchement, super cool cette vidéo. J'adore. Aussi pour le prochain épisode, bah, du coup le prochain épisode, je pense que clairement, on va s'amuser à aller faire les petites mission et tout. On va essayer d'aller à Diamond City car je vous rappelle qu'on doit aller à Diamond City pour retrouver notre enfant qui s'est fait kidnapper. Donc on doit le retrouver. Et comme on doit le retrouver, et ben on doit le retrouver quoi. Donc voilà. On doit le retrouver et on va le retrouver et on va réussir à survivre à cette fin du monde, à cet apocalypse nucléaire. Voilà, parce que c'est l'apocalypse nucléaire, donc c'est la merde. Bon après ça fait 210 ans que il y a eu... Oh bah tiens, regardez, il y a des cultures. Il y a des cultures déjà. Ça c'est cool. On va aussi, vous allez voir que dans les trucs de construction, on peut aussi attribuer des tâches à des survivants. Ah merde, je suis bête. L'escalier il est mal placé, wesh. Ah bah ouais, il est mal placé, attends, on va le bouger. Ah bah oui, attends, l'escalier il est trop mal placé. Bah oui, on va le bouger. Attendez, on va régler ce petit problème. Ah, il veut pas se placer. Oh, place-toi! Pourquoi il va pas se placer? Mais pourquoi il veut. Pourquoi là il veut bien se placer? Et là il veut pas. C'est bizarre. Au pire, on va le mettre là. Puisque. Voilà. Hop! Dis-moi qu'il veut bien se placer. Mais pourquoi il veut bien se placer là et pas là? Bon, attends, c'est bizarre. Attendez. On va régler ce petit souci. Bon, on va mettre ça là. Et peut-être que là, il voudra y aller. Non, même pas. Même pas. Ah mais c'est normal qu'il veut pas y aller. J'ai compris, c'est parce qu'il y avait ça ici. Bah oui. Attendez, ah. Voilà. Alors oui, je sais, il y a un peu de jour. Ça c'est un peu mal fait. Mais vous allez voir, on va essayer de faire des bases plutôt sympathiques. Voilà, c'est bon, on a réglé le problème. Je comprenais pas pourquoi
Ah, celle-ci, on va la bouger parce qu'elle est pas dans le bon sens. Moi, je veux que mon sol il soit pareil partout. Voilà. Et là, du coup, bam. Et voilà, nickel. Voilà, c'est bien fait. Ah oui, là, par contre, c'est mal fait. Hop, on va les mettre dans le même sens. Hop, on va tout faire nickel. Voilà, là, c'est nickel. Hop, et là, du coup, on va replacer des murs. On va replacer des murs et on va faire le deuxième étage. Hop. Ah, il faut du bois encore. Et genre après on va mettre toutes les baraques et tout, enfin tous les lits, et on va faire une chouette petite maison. Voilà. Ah, c'est nickel. C'est nickel. Les cultures, après, on va les bouger, on va les mettre à un autre endroit quand on aura terminé la maison. On a déjà 20 minutes de vidéo. Ok, bon. Ouais, on peut encore continuer, hein. De toute façon, c'est détente. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas à combattre des monstres. Enfin, j'ai pas à combattre des monstres. Bon, après, j'y arriverai à combattre les monstres, mais... Mais bon, là, c'est bien, quoi. On peut construire notre petite base. Puis c'est pour ça que j'aime bien Fallout 4. C'est parce qu'on peut construire des bases. Et comme on peut construire des bases, et ça m'intéressait de pouvoir construire des bases. Donc j'ai décidé de construire une base. Voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait bien Fallout 4. Parce qu'il y avait le système de construction de base. Je trouvais ça fun. Hop, il nous faut encore du bois. Si ça continue comme ça, on va plus avoir de ressources en bois, hein. Mais bon, pour l'instant, on a du stock. Donc, ça devrait aller. Eh, je suis en train de penser à un truc. Regardez ce qu'on va faire. Hop, on va prélever les pastèques. Comme ça, vous allez voir, on va pouvoir les replanter. On va pouvoir les replanter et se faire des ressources. On prend le petit escalier. Ah ouais, j'en ai pas beaucoup, wesh. Putain, on va chercher plus de bois, en fait. Tu sais quoi, là, l'arbre là-bas, là, le gigantesque qui a poussé au milieu de la route, alors qu'avant, il n'y avait pas. Enfin, au début du jeu, quand tout était magnifique. Hop, il me gêne, donc on va le couper. Lui aussi, on va le couper, parce que là, il est en plein milieu de la rue, là. Hop, toi aussi, je te recycle. Toi aussi, je te recycle la boîte aux lettres. Enfin, le reste de... Oh, tiens, toi aussi. Ah, ça aussi on peut recycler ici. Ah là 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 là. Trop bien. Trop bien. Là, vous avez vu aussi, il pleut. Parce que dans ce jeu, Fallout 4, il y a un système de météorologie. Et il y a même une météo dans ce jeu qui est extrêmement dangereuse. Et cette météo, c'est les tempêtes radioactives. Eh oui. Dans ce jeu, il y a des tempêtes radioactives et du coup, on peut se faire atomiser, irradier, tout ce que vous voulez. On peut se faire déglinguer. Voilà, donc là, on va placer le toit. Boum. Hop, on place le toit. Ah ouais, attends, le toit, il est... Bon, alors si c'est bon, on peut encore... On va se faire irradier et du coup il y a des tempêtes radioactives et c'est bah, c'est chaud patate quoi. Parce que, du coup les tempêtes radioactives ça t'irradie. C'est pour ça que dans le jeu il faut ce qu'on appelle donc on va aller dans soins. Il faut ce qu'on appelle des radix et des radaway. Parce que les radaway en fait ça enlève les radiations et les radix ça les Ça permet d'être plus résistant aux radiations. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est plutôt pas mal. On peut être plus résistant aux radiations. Et puis on peut se les enlever avec les radaway. Donc tout ça il va nous en falloir. Il va falloir qu'on en trouve. Parce que pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Des steampacks franchement j'en ai énormément. Mais les radix et les radaway j'en ai pas énormément. Donc il va falloir en trouver quoi. Donc voilà, donc là on a installé le toit, on a construit notre petite maison.
Maintenant, ce qu'il faut, c'est installer une porte. Voilà. On va... Ah, il nous faut du bois. On va aller chercher du bois en face, là. Hop. Du bois. Et aussi, ce que vous allez voir, c'est que dans Fallout, on va pouvoir aussi avoir... Hop. Voilà, vous avez vu. Petite porte. On va pouvoir avoir... d'autres camps de survivants. Parce que pour l'instant, le camp de... là, on a le camp de survivants Sanctuary. Mais après, on va pouvoir avoir d'autres camps de survivants et tout. Et ce sera plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des lits à l'étage. Ici, ça va être les chambres. Donc, on va installer les lits. Hop, on va aller dans meubles. On va aller là-dedans. Et, est-ce qu'on leur... On va leur... Est-ce qu'on leur met des vrais lits? Enfin, des lits, voilà. Ou est-ce que... on leur met juste un pauvre matelas par terre. Bon, allez. On va leur mettre des vrais lits. Parce que là, il y a le lit taché de sang. Et là, il y a le lit propre. On va leur mettre des lits propres. Quand même. Il faut pas abuser. Hop. Oh, level sup. Yeah. Voilà, bim. On va les espacer un petit peu. Voilà, on leur a mis des lits. On leur a mis des lits. Voilà, on va les espacer un petit peu. Voilà, donc là nous avons les chambres de nos colons. Maintenant il faut de l'eau. Donc on va installer de l'eau. Donc là on va là dedans. Et pour l'eau il faut installer une pompe à eau. Donc la pompe à eau on va l'installer ici. Bam. Voilà, et il faut en installer deux. Parce que on a 5 colons et le truc d'eau en fournit que 3. Bam, voilà. Donc là on a nos deux pompes à eau. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger, hop, les cultures, hop, et on va planter deux autres trucs de melon. Hop, voilà. Du coup on en a 4, et quand ce sera poussé, d'ailleurs, toi, alors, on va chercher un habitant. Elle est où Mama Murphy là? La petite Mama Murphy. Où est Mama Murphy? Où est Mama Murphy? Je cherche Mama Murphy. Celle qui veut qu'on lui donne de la drogue pour avoir des visions. Elle est où ma... Bon, je la vois pas. Wesh, je joue avec quoi? J'ai vu Kengu jouer avec quelque chose. C'est incroyable. Mama Murphy, où êtes-vous? Où êtes-vous, Mama Murphy? Mama Murphy, où êtes-vous? Je vois Preston Garvey. Où est Mama Murphy? Où est-elle? Oh, une mouche bouffie. Mais wesh, elle est où, Mama Murphy? Elle a disparu. Elle a disparu dans une autre dimension. Ah putain, ma Murphy. Oh pardon. Hop, ma Murphy. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait entrer sur en cliquant sur elle. Et je vais, bam. Voilà. Maintenant, ma Murphy, elle va travailler et elle va planter des légumes. Voilà. Maintenant, elle va planter des légumes. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faut installer des défenses. Donc on va installer des postes de garde. Et on va les installer juste là, là. On va les installer là. Ah ouais, attendez, on va dégager un peu le terrain.
Oh ouais. Dégager le terrain là. Hop. 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 Voilà. Hop, on va installer des postes de garde. Voilà, bim. Ok, il nous faut de l'acier. Eh bah tu sais quoi, on va recycler cette voiture. Voilà. Hop. On va en construire plusieurs. Vraiment, ce sera les premières défenses de notre ville. Ce sera les premières défenses. Ah, il faut du bois. Je me disais pourquoi il veut plus. Hop. Ce sera vraiment les premières défenses de notre ville. Hop. Voilà, bim. Ah oui, puis aussi on a un nouveau oh, Preston, dégage. Voilà. On va plutôt le mettre comme ça. Voilà, bim. Voilà, donc ça, ce sera les premières défenses de notre ville. Et on va attribuer des résidents à la défense de la ville. Donc, on va prendre... ils sont... Je disais, t'es là tout à l'heure. Ah, j'entends. Il y a Murphy, ok. Il y a Murphy. Ils sont où les autres? Ah, lui. Toi, hop. Toi, je vais te donner un ordre. Et on va t'attribuer... Ah ouais, ça par contre, il va falloir faire quelque chose en vrai. On va t'attribuer... On va t'attribuer à celui du milieu. Voilà, bim. Hop. Voilà, toi, à la défense. Et l'autre, il était où? Il y avait un autre personnage. Ah, il y a Codesworth. Codesworth, on va lui donner un travail. Codesworth, on va lui donner un petit travail. 33 minutes de vidéo, ok. Bon, ça peut le faire. On va l'attribuer, hop. Voilà. Hop, déjà vous avez vu, ça a changé. Déjà le bonheur, il augmente. On a 6 de défense, 5 lits, on a quasiment tout qui est bien. Il nous faut juste des vivres. Voilà, donc Codesworth au boulot. Il y a encore un calaf de mouche bouffie, donc. Il y en a beaucoup dans le coin. Il y avait un autre personnage, il est où? Il est où? Putain, on passe notre temps à chercher. Ah, il est là. Bon, toi. Hop, tu vas travailler. Tu vas travailler à la défense de la ville. Voilà. Nickel. Hop, donc Codesworth, hop, il va travailler à la défense de la ville. Lui. Lui, est-ce qu'il a une arme? J'ai juste besoin d'échanger de l'équipement. Ok, donc... Oh, ah oui, ah, il a une arme, ok. Ouais, c'est bon. Marcy peut sembler froide, mais ne le prenez pas personnel. Ouais. C'est sa manière de gérer la mort de Kyle. Fais gaffe, toi, j'ai envie de te mettre un coup de barre de fer. Coup de barre de fer. Merde. Non, c'est pas le moment de l'attaquer. Hop, donc... donc, voilà. Hop... Bam, elle plante des légumes. Voilà, donc eux, ils vont... Voilà, voilà, petit Codesworth. Il est au travail, il est au champ. Ah oui, regardez. Ça, ça, c'est un appareil de cuisson de nourriture. Donc ça, on va le prendre. Et on va le mettre près de notre base. Voilà, parce que ce sera notre machine de cuisson. J'ai envie que ce soit notre machine de cuisson. Donc on va prendre ça et on va le mettre à notre base. Hop hop hop.
Hop, on va le mettre dans notre base. Voilà, bim. Et puis après, on s'occupera de notre maison dans un autre épisode. Déjà, on l'a construite. Enfin, construit. Et c'est déjà pas mal. Hop, la souche, tu dégages. Hop. Voilà. Donc, on a les pompes à eau, tout ça. Putain, ça fait vraiment dégueulasse ce jour dans notre maison. Donc, on va aussi installer... Alors, on va aller dans construction. Et on va aller là-dedans. Et on va construire ça. Ouais, on va construire ça. Ah, ça on va les bouger en fait. Ça on va les bouger. On va les bouger plus loin en vrai. Hop, on va les bouger là. Ça vraiment, il faut vraiment qu'il soit avancé. Hop, désolé code soeur, je t'enlève ton poste de travail, mais c'est juste pour le placer. Vraiment, je pense qu'on va bien les avancer. Hop. On va bien les avancer. J'arrive pas à placer. Voilà, bouge. J'ai peur que ce soit impossible. Vas-y, Code Source. Allez. Comme ça on a une belle ligne. Hop, tout ça on va recycler. Hop. On veut pas. Hop, arrête cafard. Hop. Je crois il y avait. Ah, il y avait une branche. Il y avait une branche. Donc on va recycler ça aussi. Voilà. Donc, on va construire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je sais que dans les constructions, il y a ça ici. Et ça, en fait, ça permet de construire une porte comme ça, voilà. Donc, on va mettre une porte comme ça. Et vous allez voir ce qu'on va faire, on va faire un truc plutôt pas mal. Bam! Voilà, hop, il nous faut encore du bois. Du bois et toujours du bois. Hop. Hop, voilà. Ah, ça fait 40 minutes de vidéo. Bon, pour l'instant on peut encore continuer hein, vous inquiétez pas, mais on va pas tarder à s'arrêter hein. Mais c'est déjà pas mal ce qu'on a fait quand même. Ouais, y a tout ça. Bon, alors hop, on a notre petite base. Thank you.
Voilà. Bon, après, pour l'instant, vous avez vu, sur certains endroits, on peut passer. Mais déjà, voilà, déjà, on a construit une porte. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va construire des petites échelles. Hop, on va en construire une. Hop, voilà. On va en construire une deuxième là. Voilà. Hop, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des tourelles. Voilà. Ah, il faut de l'acier. On va construire des tourelles. Faut de l'acier. Bon, tu sais quoi, on va recycler la voiture. Hop. Adios la voiture. Et voilà. Et vous avez vu, on va construire des tourelles. Et on va mettre des tourelles. On va en mettre là. Attention. Ah, boum. Voilà. Une petite tourelle. Voilà, pour protéger le camp. Ça c'est fun. Hop, une petite tourelle. Boum, et voilà une deuxième. Voilà, et comme ça on a deux tourelles. Voilà. Regardez-moi ça. The camp de survivants. Après, ce qu'on mettra, c'est des trucs comme ça en fait. On va aller dans le mode de construction, on va aller là-dedans et on mettra le mur là. Attendez, je vais recycler la voiture. C'est quoi la voiture? Hop, ce qu'on mettra des murs comme ça. Attendez, on mettra des murs comme ça. Attendez. Ah, j'arrive pas. Ah, j'arrive pas à le placer. Ah. 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 Ce qu'on fera, c'est qu'on placera des murs comme ça. On fera, c'est qu'on placera des murs comme ça et vous voyez un peu ce que ça peut rendre. Vous voulez participer au travail? Attends, on va lui parler. Qu'est-ce que je dois faire? Quel genre d'aide vous avez besoin? Déjà, ça nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Vous
savez quoi? On va lui répondre sarcastiquement. J'ai l'air d'un menuisier. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous avez dit que vous vouliez nous aider? Et pour l'instant, on a besoin de lits. Vous pourrez pas le faire? Pourquoi vous avez besoin de moi pour fabriquer des lits? Écoutez, on est en fuite depuis des semaines. Et on a du pain sur la planche. Il nous faut de l'eau, de la nourriture, un toit, et j'en passe. Vous avez demandé ce que vous pouviez faire? Je vous ai répondu. Vous avez changé d'avis? Alors on va dire oui! Je me ferai un plaisir de vous aider. Parfait. Merci bien. Pour l'instant, le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Certaines de ces vieilles maisons ont encore l'air solides. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Faites-moi signe s'il vous faut quelque chose. Voilà, Sanctuary. Hop! Donc voilà, donc là, vous voyez, hop, vous voyez ce que je voulais faire. Regardez-moi ça, magnifique. Magnifique, donc vous voyez, on construirait nos murailles comme ça. Attends, en plus, il ouvre la porte et l'autre, il se fait coincer. Donc voilà, donc ce serait ça, un peu notre base. Bon, ça fait 47 minutes. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, donc on a construit un premier mur, on a installé des tourelles, on a construit cette magnifique maison. Voilà, on a construit cette maison. Hop, on a installé des lits pour que nos chers petits habitants puissent dormir. On a construit des pompes à eau, on a recyclé quelques trucs. On a installé des cultures. Bon, pour l'instant, on n'est pas à 100% partout. On n'a pas d'énergie et on n'a encore pas assez de vivres. C'est quand on se croit en sécurité. Mais honnêtement, ça peut le faire. Et puis on a construit cette maison, voilà, qui sera notre maison personnelle. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était cool comme troisième épisode. Je sortirai une nouvelle vidéo vendredi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. A toutes pour de prochaines vidéos. Salut !